J'avoue, Nasser Miskino. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2. On va regarder les stories des membres de la team Nasdas et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. Tu veux aller aux toilettes, tu peux tomber sur ça. Des cheveux de partout. Maman. Force à lui, Oula. Force à toi, mon frère. Tu penses à moi, là, le temps d'un couplet. Juste le temps sans commando. J'ai vu des petits parties des grands. On n'a pas changé d'équipe. Trop plus d'issue, je suis égaré, l'air dans pas la main. Trop plus d'issue, je suis égaré, l'air dans pas la main. C'est une équipe gantée, ça finit dans le journal. Rami, j'ai créé un deuxième compte là, il est juste au-dessus de moi. Ce compte c'est simple, c'est fait pour vous répondre, pour qu'on soit H24 connectés, vous et moi, que je puisse vous faire gagner des trucs là-bas. Et même, le fait qu'il y ait un deuxième compte, c'est aussi comme une story privée pour nous. Des snaps plus à gagner, dès que j'ai quelque chose à faire gagner, je vous fais gagner là-bas. Le compte il est là, ajoutez-le à balle. Des snaps aléatoires quoi, en plus. On passe à la story de Lauriana.srl sur Snap. Où je suis aujourd'hui? Je suis au marché de Noël avec Rémo, ma fille et sa mosse. Je vais vous faire plein de vidéos et plein de photos. Regardez où je suis. Regardez ce qu'il a pris. C'est un maxi churros. Putain, j'allais pas. Vas-y, croque. C'est un maxi churros. Non, je peux pas là pour l'instant. Allez, allez. Je crois que j'ai la bouche. Regardez ce qu'il a pris. Mama. Sur sa mosse, il va taper aussi. C'est ton bureau là. T'as pensé à quoi? Oh, du lot. Allez. Tranquille, je peux pas faire. C'est bon? Ouais. Bah finalement, elle a pas tant snapé que ça au village de Noël. Là, j'ai actuellement mis Baby dans le parc avec son petit truc de musique. Et moi, ben là, je suis en train de faire deux petites quiches. Je meurs. D'ailleurs, j'avais un petit truc à vous dire. Crémo, il s'est fait un deuxième compte parce qu'il va vous faire plein de contenu là-bas. Il va vous faire gagner des trucs et tout. Donc, prochain snap, ajoutez-le à fond. D'ailleurs, j'avais des petits trucs à vous dire. J'ai posté sur Instagram. Dites-moi dans les commentaires si la photo elle est mignonne ou pas. D'ailleurs, j'avais des petits trucs à vous dire. Aujourd'hui, je monte à Paris. Ce qui dit Paris, ce qui dit bien habillé, ce qui dit photo Instagram, ce qui dit TikTok, ce qui dit haul. Je dois vous faire aussi une vidéo sur TikTok. Et je sais plus, je crois que c'est tout. Mes lèvres là, elles sont pas gercées. Mes lèvres là, elles sont pas gercées. Mais au-dessus, c'est gercé. Je sais pas si vous connaissez une crème ou un... Ça me démange. D'ailleurs, j'avais complètement zappé que j'avais une cousine qui travaillait chez Forever. Je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque de produits, de crème et tout, à base pour les vergetures et tout. Et ben, douche aussi, je l'ai encore là. De ouf, la vérité. Si vous voulez, si vous avez des questions, et en fait ça vous démange, vous lui envoyez un message, vous la dites, mais tu te souviens pas le carton, je sais pas si vous... Si vous le voulez, n'hésitez pas. On passe à la story de Kinaï Santiago CC sur Snap. Aujourd'hui, regarde la coupe qui s'est faite. Ouais, mais Kinaï, là,
Je suis bien habillé, bien coiffé. T'es bien habillé? Ouais, mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Ils me disent que je suis habillé en Spider-Man. Les gens, ils disent que t'es habillé en Spider-Man? Ouais. Les écoute pas, tu sais que moi, je mens pas. Ouais. Je te dis la vérité, aujourd'hui, t'es magnifique. C'est bon, merci, Kinaï. T'étais où? On te voit plus au quartier? Kinaï, si tu me vois plus au quartier, parce que là, je suis à fond sur TikTok. T'es à fond sur TikTok? Ouais. Tu veux que je te dise une vérité ou pas? Vas-y. Je suis abonné à ton compte et je regarde tous tes TikTok. Et je te dis la vérité, j'aime bien tes TikTok. Merci. Mais écoute-moi bien. Je sais que t'es déterminé et que tu veux réussir et tu veux t'en sortir. Et ça fait plaisir de voir des petits comme ça. Ouais. Et j'espère que tu vas finir loin. Et si t'as besoin de moi, tu sais très bien que je suis là pour toi. Je suis fatigué, j'ai une surprise pour toi horrible. Mon frère, t'as que des surprises tous ces jours, t'es bizarre. Ça c'est toi. Ça c'est moi. Ça celui-là c'est toi. Ça c'est Sankoukou, non? Quoi? Celui-là c'est Porro. Ça c'est Porro. Celui-là Picasso. C'est Picasso. Celui-là Rico. Rico. Celui-là Armani. Armani. Celui-là Tourné. Celui-là moi. Celui-là toi. Ouais. T'es sûr que t'as rien à me demander? Non. Pourquoi je fais ça? Pourquoi tu as besoin que je fais avec nous, Kinaï? Ah, tu fais ça pour me remercier pour tout ce que je fais pour toi. T'es en train de regarder quoi? Nasdas. T'es en train de regarder l'histoire à Nasdas. Éteins le téléphone vite fait, je dois te parler sérieux. Quoi? Hier, tu m'as parlé d'une gadjie. Quoi? Je te dis la vérité, j'en ai marre. Parce que chaque semaine, tu me présentes une nouvelle gadjie. Ouais. Que ce soit sûr que c'est la bonne. C'est la bonne. Je te prépare un date et tout. J'ai pas envie de te préparer 60 dates. Et le mariage, qui paye? Tu parles de mariage et ça fait une semaine que tu la connais. Elle est belle au moins. Quand je fais le bébé, et toi tu fais la baby shower, tu fais tout. Tu veux un bébé toi? Ouais. Les gens de son âge, ils passent à s'amuser. Lui, il pense à avoir des bébés. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Je vais garder mon bébé, je vais acheter les jouets, tout ça. Toi, tu veux avoir l'eau. Moi, je sais les jouets, tout ça. Le principal, c'est la femme et la maison. Là, c'est bon. L'entraînement avec Paul, on va le faire aujourd'hui. Il est 21h51. Déjà, la première étape, c'est quoi? De courir la montée. Là, tu vas monter tout ça en courant avec Paul. Et moi, je vais vous suivre. Mais je l'ai fait déjà avec Kina la dernière fois. Mais tu vas le refaire. Écoute-le. Non. Et moi, je vais courir avec vous. Allez, on y va. On y va. Vas-y, Rico. Vas-y, Rico. Oui. Vas-y, Rico. Vas-y, Rico. Allez, Rico. C'est bien, c'est bien. De toi. C'est pas là, c'est pas, c'est pas. Non, vas-y, comment c'est bon, vas-y. Première étape réussie. Moitié-moitié. Moitié-moitié, tu dis. Tu m'as dit quoi? La deuxième étape, c'est quoi? Il va courir deux fois comme ça. Il va faire tout le tour comme ça, jusqu'à là-bas. Il va revenir ici, deux fois. Ce carré? Non, tout le carré. Écoute-le. T'es motivé ou pas? Tu m'as dit, trouve-moi un coach. Je t'ai trouvé un coach. Mais un coach doucement. Comment doucement? Vas-y, vas-y, vas-y. Tu l'écoutes ou pas quand il te parle? Vas-y. Premier tour réussi. Je peux plus. Comment tu peux plus? Il a fait qu'un tour. Ah ben... C'est déjà bien. C'est déjà bien. Il y a du travail avec lui. Il y a beaucoup de travail avec lui. Beaucoup. Mais ça me fait du bien, mais ça fait un tour, c'est bon là. On essaie notre tour. La troisième étape, c'est quoi, Paul? 10 pompes. 10 pompes. 10. Je vais essayer, Kinaï. Déjà, je te remercie que tu m'as trouvé un coach. Je vais essayer, je vais faire mon possible, Kinaï. Essaye de faire ton possible, Rico. C'est mon bien possible. En plus. Vas-y. Je suis fier de toi. Deux. Qu'est-ce qu'il fait? Deux. Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes en train de faire quoi, là? Squat. Squat. Allez. Trois. C'est bien, Rico, c'est bien, c'est bien. Ça fait mal, crampe ici. Vas-y. Vas-y, écoute-le. Et la dixième. La dixième, ça y est. C'est bien. Je suis choqué, regardez comment il fait les abdos.
Lève-toi, 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 lève-toi. Quoi? Ah, ah, j'ai le crampe. Kina, je peux te parler seul, c'est une seconde. Vas-y. M'entendez? Attends, attends, ils vont me parler, j'arrive. Quoi? Tu m'as dit que tu vas ramener quelqu'un de sérieux qui veut m'écrire, veut faire du sport et tout. Tu vas ramener quelqu'un qui n'est pas sérieux là. Il est pas sérieux. Je me fatigue, je fais ça, je descends de chez moi, tout ça. Je dis ok, je vais l'entraîner. Et je comprends pas, il fait quoi? T'inquiète pas, je vais lui parler. Et excuse-moi, excuse-moi, je vais lui parler. Tu sais pourquoi je t'ai pris tout seul ou pas là? Quoi qu'il aille? Pourquoi tu fais n'importe quoi comme ça? Il est venu me voir, il m'a dit, je dois descendre de chez moi, je me fatigue, il fait n'importe quoi. Sois sérieux, mon frère. Moi aussi, je me fatigue. Tu te fatigues? Mais oui. T'as vu ce que tu faisais là-bas? Mais t'as vu ce que je faisais? J'ai progressé au moins. J'en ai fait au moins 30, là, 40. Facile. Tu comprends rien en fait, hein? Quoi? Aujourd'hui, c'est ton premier jour, d'accord, je t'en veux pas. C'est ton premier jour? Ouais, c'était un peu bien, ça va. Ça va. Ça va, tu t'es débrouillé pas mal. T'as fait des quelques pompes, c'était pas des vraies pompes, mais tu peux l'accepter. Là, là-bas, là-bas, t'as vu? Moi, j'ai fait 40. 40 de quoi? Ça, le truc comme c'est ça. Bon, c'est bon, laisse-le parler, laisse-le finir. Regarde, demain ou après-demain, si t'es d'accord, on va avec Insalma et toi, avec Kinaï aussi. Et on fera des vrais entraînements. Moi, des vrais entraînements. Ouais. Ça veut dire que tu reviens plus motivé. Ah ouais, je vais revenir là, d'accord, à fond. À fond. Sérieux? Sérieux, je te jure. Serre-lui la main. Tout le monde me demande si je fais des pubs. Bien sûr, les gars, pour toute demande de partenariat ou pour des autres trucs, vous avez juste à m'envoyer un message, je vais tous vous répondre. Mais que des gens sérieux, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, mais ils sont pas sérieux. Là, j'attends vos messages, là. Moi, ça fait 2 ou 3 jours que je te vois au quartier. Tu viens d'où? Je viens de Normandie. Normandie, t'es venu faire quoi au quartier? Je suis venu comme ça, parce que c'est cool à Perpignan et tout. C'est cool à Perpignan. Ouais. Je te dis la vérité, tu me fais penser à quelqu'un. Ah ouais? Tu connais Bébé Boss? Ouais, ouais, ouais. Je vais mettre la photo, les gars, il a la même tête que lui. Je vous mens pas, les gars. Ça se voit qu'il est gentil. J'ai parlé 5 minutes avec lui, les gars, il me fait trop de la peine. J'ai envie d'aller le voir, lui dire, écoute, tu fais quoi? Il va me dire rien, je suis là, posé. J'ai envie de lui dire, viens, et je vais te relooker. Les gars, vous connaissez Ilyes? Non. Vous le connaissez pas? Il est très gentil. Ouais, on le voit, mais on connaît pas son nom. Vous le connaissez pas? J'ai un truc à te dire. Aujourd'hui, je vais te prendre, tu vas venir chez moi, je vais te relooker. Ouais. Et avec moi, tu m'as pas fait un peu. T'es dans la team, je t'ai pas oublié. Toi, il y a une grosse surprise qui se prépare pour toi. Rien que les gars, ça se voit qu'il a de bon cœur, qu'il a un regard. Ça fait 3 jours qu'il est dans ce quartier. Il a vu ça. C'est bien, les gars. C'est bien, là, c'est bien. Franchement, t'as un bon cœur. Continue comme ça, Kina, je te jure. Il est trop beau. Ouais. Il est trop beau, les gars. Regardez. T'es magnifique. Là, les petits du quartier vont être contents de te voir comme ça. Ouais. On va les voir? Vas-y. Vas-y, on y va. Parti. Allez, on y va. Ce temps qu'on ne rattrapera sûrement jamais, mais moi je sais où aller. Coach, tu m'as dit quoi, mon frère? Mon frère, le seul petit que je peux te dire que t'es un homme. Je te jure, quand je l'ai vu, j'étais choqué de mes yeux. Tu l'as vu le changement ou pas? Je suis resté fait. Continue comme ça, mon frère. Et dans le truc, il y a écrit, aider ton prochain Kinaï. Ça, c'est vrai, faut aider ton prochain. Écoute, j'ai qu'un truc à te demander. Quoi? T'as vu, quand tu seras grand, et si tu réussis dans la vie, j'ai envie que tu fasses la même chose que moi. Que t'aides les autres. Je te jure. Tu me l'as promis. Aider ton prochain, c'est la meilleure chose et Dieu va te rendre le plus. Les petits t'attendent. Okay. Ils sont là-bas derrière. Toi, tu vas arriver et tu vas voir. Viens. Les gars, il est beau ou pas? Dis de la vérité. Parce qu'il est beau. Wouah! Hola, zombie. Garçon, aujourd'hui, t'es bon. Ouais. T'es parti au coiffeur? Ouais. Tourne. Rien reste comme ça. Regardez. Quoi? T'as abusé sur le gel, là, mon mais frère. J'en ai mis un peu. Ça, pour toi, ça s'appelle un peu. Quoi? Un follower qui est venu de Guadeloupe et regardez ce qui s'est fait. Reste comme ça. Et ça, c'est censé être qui? C'est Nasdas, Nasser. Nasdas, ça c'est Nasdas. C'est quand je dors, je peux pas dormir sur le dos parce que sinon j'écrase Nasser, Nasdas. Je vais respecter, je vais pas écraser, t'as compris. Ça, je dors sur le téco ou je dors la tête la première. Pareil pour mon coussin, tu vois. Le coussin, c'est pareil, frère. Le coussin. Mais t'es vraiment fou en fait. Peux pas dormir, t'as fait un coussin de Nasdas. Et encore là, j'ai commandé un coussin exprès avec un flocage, tu vois. Bah vous êtes vraiment fou les gars. Tiens.
On passe à la story de Tourcoing 596 sur Snap. Incroyable. Sur la tête à tata. Ça va bien gamelle, ça va bien gamelle. Bismillah les gars, régale-toi. Tu sais quoi ça? Je l'ai dit dans ma tête. Même moi j'ai pas, mais ça a l'air d'être incroyable, je vais goûter maintenant là. Mon ref, tranquille, oh là t'es trop agressif, t'as vu, je comprends que tu veux une pub. Mais moi, comprends-moi mon ref, mon travail, c'est créateur de contenu. C'est-à-dire moi, mon ref, mon travail, il est payant. Ah mais en vrai, Pélo, tu veux me la faire à la zone. Non, Pélo, je t'ai demandé une pub. Y'a rien mon ref. Eh ben Pélo, arrange-moi, Pélo. Mais regarde, Lenny, toi tu me comprends. Toi t'es un influenceur comme moi. Ah Pélo, laisse-toi tranquille. Non, laisse-toi tranquille. En vrai, moi je pense. Ah toi, arrête de jacter. Ouais, moi je pense qu'il devrait lui faire une pub perso. Wesh. T'es. C'est bon, mon ref, les frères, son snap il est là, ajoutez-le les gars, c'est bon. Ajoutez. Les frères, on est sur le retour de Perpi. J'étais en train de conduire, les gars, je me suis arrêté dans une aire de repos. Et j'ai mis 4 euros pour prendre un Red Bull, puisque j'étais KO et tout, vous avez capté. Bah c'est pas, je mets les 4 euros les gars, y a rien qui tombe. Bah j'appuie sur le truc rendre monnaie, il rend pas la monnaie. J'appelle le numéro, il me dit ah je suis désolé pour vous, veuillez m'envoyer vos... Je sais pas ce qu'il me racontait, je lui ai dit garde-les, je suis parti les gars. Du coup là je pars, je me suis re-arrêté dans un truc. Ah lui c'est ma azeb encore là, là ça va pas se passer comme ça. Ma réussite, je suis dans la suite encore une affaire. Le mon cœur c'est mort. Les gars Lenny il me casse la tête de Peter, il me dit viens on y va. Regardez, il est où? Il a disparu. S'il vous plaît, je vous laisse deviner, il est où? Réfléchissez, regardez, je vous laisse 10 secondes là. Réfléchissez, vous allez me dire, ah, il est là. Vous avez trouvé ou pas? Il est aux toilettes, les gars, il est en train de le casser. Chaque station où il s'arrête, les gars, il casse le toilette. C'est une dinguerie, les gars. Ça fait au moins vraiment, blague à part, 15 minutes, il est parti. Là, je sais pas ce qu'il fait, les gars, wesh, c'est une dinguerie, wesh. T'étais où? Rien de chier, je veux pas de plus frérot. Allez mais frérot, de chaque station tu me fais ça mon ref. Chaque station, tout, ouais, toutes les stations s'arrêtent, tu veux faire caca mon ref. On dirait que tu fais caca illimité. Mais, mais non mais t'es un fou mon ref, t'es un fou. Les gars, il fait caca dans toutes les stations, il s'arrête. Wesh. Bon les frères, je dis la vérité, j'ai lâché le volant, je fais trop de dingueries les gars à la fin, je vais faire un accident, ça veut dire que je suis fatigué, j'ai laissé le volant à Lenny. Non mais les gars, on en fait des stories, on en rigole, mais je vous jure qu'il me met à bout émotionnellement les frères, en voiture. Comprenez-moi, moi ça fait pas longtemps que j'allais avoir le permis, il faut que j'ai la main les gars, vous avez capté. Là je suis fatigué, je me suis dit vas-y tiens, prends le volant, comme ça, c'est carré. Vraiment, il risque, d'ailleurs là, depuis qu'on arrive à Lyon, on n'a pas dépassé encore une ligne droite. Il a failli faire 5 accidents. Mais je vous jure, mais il rigole. Mais moi, ça me met à bout, pour de vrai. On passe à la story de Lenny de retour sur Snap. Ça se passera comme prévu. Il n'y a jamais rien. C'est ta faute, c'est toi tu l'as garé, toi que tu... D'accord. Qui conduis, d'accord. Elle est où la voiture là? Bon, cet homme-là qu'on voit de dos, qu'on ne voit pas déclarer c'est qui, c'est surtout sa faute à lui. Sur... Ouais, en vrai, c'est surtout sa faute à lui. En fait, il y a 10% de faute de Lenny et 90% de ce type là-bas. Devant, les gars, ça fait 1h30 qu'on a perdu la voiture. On l'a garé dans la rue et je suis sûr qu'on est passé 20 fois devant. Non, on l'aurait vu quand même. Non, on l'a pas vu. Oh, j'en peux plus. On marche depuis 16h45. Il est 17h51. Oui. On est dans la merde. J'avais oublié de préciser qu'on avait enfin retrouvé la voiture. On a retrouvé la voiture, les gars, c'est carré. Et c'est grâce à moi. Juste, il a fallu nous tuer 43 fois. S'il te plaît. Elle fait quoi? Ouais, j'avoue, mais voilà, s'il te plaît, fais attention quand même, mon frère, s'il te plaît. Allez, vas-y, tu peux rouler là. Cale pas. C'est bon. Voilà, comme d'habitude, il a calé. Qui a calé? En plein milieu de la route, au feu rouge. C'est pas vrai. Et il nous fait le pilote après. Oui, maintenant. Franchement, t'as filmé là aussi. Oh, il a failli nous tuer encore, putain. Doucement, Eclip. Doucement, s'il te plaît, Tourcoing. Alors là, si on va pas bien manger, frérot. Je comprends pas. Bismillah. Hein. Attends, avant de servir. Attends. Tiens, ça c'est pour toi. Ouais, je vais manger. Voilà. Et le reste, c'est par ici. Allez. Tu vas jamais finir ça. Ouais, c'est vrai, tiens, mange. Allez, merde. Allez, bon appétit. Bon appétit, toi. Regarde, on a pris un KO des ténèbres. Oh là là. Regardez la table dans quel état on l'a mis. C'était bon, Cyclope, t'as bien aimé? C'est un grand même affaire. Et toi je vois ça. Et par contre, je vois que tu digères bien, mais frérot, tu roules après sur le retour, donc digère bien. Mais c'est moi j'ai roulé en dernier. Mais tu rigoles. C'est moi j'ai roulé en dernier. Mais t'as roulé en dernier 10 minutes. Oh moi ça. Enfin, mais j'ai roulé en dernier quand même. Dis quoi, Pierre feuille ciseaux. Vas-y, direct. Voilà. Vas-y. Mais c'est un menteur, il va en un point. Vas-y. Pierre feuille ciseaux. Moi j'aurais appris. Allez, en un point. Les gars, en ce moment, je snap pas énormément, mais pourtant, vous êtes à l'affût de ouf sur les scores. Juste,
Les 100, je vous kiffe, c'est tout. Les gars, en ce moment, je... Quoi ? Il est 4h du matin. Je commence à 10h. On a 6h de route. Et on a encore 6h de route. Il reste une barre d'essence. Et regarde derrière, là. Je sais pas si t'as filmé, mais il y a personne. Ouais. Depuis tout à l'heure, on a galère. Bon, en vrai, c'est pas grave. On a de quoi jusqu'à la prochaine station, je pense. J'espère. De toute façon, on n'a pas le choix. J'espère. C'est soit ça, soit on est dans la mouise. Pourquoi il me fout la haine. Il me fout la haine. Ça fait 3 heures qu'il est là-bas. Il a pas compris. Ça fait 3 heures qu'il est là. Voilà. Frérot, ça fait une heure que je t'attends sur cette terre de repos. Je mets 4 euros ou 6 euros pour rien. Aïe. Il a mis 4 euros dans la machine, il lui a pas donné ses boissons. Ça fait une heure qu'on est là, il veut pas lâcher. Wesh, frérot, j'ai envie de rentrer à la maison. Qu'est-ce que ça me bat les couilles? Je parlais avec le gars. Mais oui, il est fou. C'est numéro, monsieur Maïdi. Ah oui, c'est 110. Une heure pour un Orangina. Bon, il est fou ce type, je crois. Oh là là, ce boule. Oh là là, ce boule. Allez, toi quoi, tu peux le faire. Mais tu fais quoi, espèce de trou du cul? Espèce de trou du cul, c'est celui d'en bas. Eh, mais tu sais qu'aujourd'hui, tu me fais péter les plombs, frère. Tu fais des actions que de Ming. On a. Oh, ça fait une heure qu'on est censé être à Perpignan, on n'a même pas dépassé Lyon. Mon gars, vas-y, je suis fatigué. Mais frère, c'est toi, tu me fatigues. J'ai conduit tout déjà. Comment ça, mon pote, il mange pas de porc? Mais je mange pas de porc, toi. T'as acheté quoi la station là tout à l'heure? T'as des bâtonnets de cochon, frérot. C'est oui, moi, mais c'est dans la musique tout, déjà. Je coupe tout, je coupe tout, je coupe tout, je coupe tout. Arrête de faire chanter, je sais pas quoi. T'as acheté des bâtonnets de porc là. Pourquoi tu dis je mange pas de porc? Oui, mais moi, c'est il dit, je prends un fichier. Ah, mon pote, c'est parce qu'il mange pas le porc. D'où le dès qu'il mange le porc. Même ouais, si je pense pas, mais. Non. Il m'a fait un regard noir. C'est bon, tant pour moi, désolé. Je vais chanter. Eh hey, Lyon, on est là dans une heure, Lyon. Refais ou pas, toi quoi? Dans combien de temps? Une heure, on y est. Une heure? Ouais, t'es prêt? Ouais, c'est vrai que ça. Pour le voir que c'est lui. Je me suis trompé. Sinon, c'est là, c'est là. Oh, il m'a fait peur. Vous voyez, tout le voyage, c'est des actions comme ça. J'ai... On passe juste l'après-midi, chill. Et après, soir, on est à Perpignan. Et on arrive. On passe juste l'après-midi. Je bossais de base, j'étais sur le retour pour aller à Perpignan. Je sais que j'arrive en retard, j'ai prévenu mon patron que j'arrive en retard. Il m'a dit non mais t'inquiète, aujourd'hui en fait c'est fermé. J'ai dit bon bah ok cool, merci. Je reprends demain finalement. On vient enfin d'arriver à Lyon les gars. Bon, Tourcoing. Lyon c'est la troisième plus grande ville de France, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire la circulation ici c'est pas des lol. Tu vois bien, j'aime mon... Non, justement je vois très bien que t'as failli nous tuer. Comment, quand j'ai failli vous tuer, regarde. Là il y a 5 minutes, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. J'ai pas fait exprès la vérité. Il y avait une voiture de... On était sur la voie rapide. Il est arrivé à balle. Je lui dis freine. Il s'est arrêté à ça et il avait une voiture sur le côté qui arrivait comme ça. Il a eu peur de tourner sur le côté parce qu'il y avait la voiture. Du coup, il fonce dans la voiture. Mais au final, alhamdoulilah, regarde, tout va bien. On est là. Tais-toi, alhamdoulilah. Va te faire enculer, frérot. Parce que tu sais, quand tu vas casser la voiture et qu'on va devoir, je sais pas combien à mon patron et que je vais bosser à la pendant un mois, tu vas voir. Frérot, t'as vu, si on casse, on paye, c'est normal, frérot. Si tu casses, tu payes. Y a pas de honte, frérot. Frérot, on est à deux. Non. Oh, allez, je descends. Ou... Allez. Descends. C'est ma voiture, c'est tous ceux qui font des TikTok sur moi, ils mettent des musiques tristes. Il est devenu livreur. Il a pas de coupe. Bah voilà. Maintenant, je me coupe les cheveux. Y a plus de van. Voilà. Et vous allez voir, je vais ressortir beau gosse. Du moins, j'espère. On passe à la story de Mohad 31220 sur Snap. La famille, j'espère que ça va, moi ça va. Hier, comme vous avez vu dans la story à Nasser, il y en a une, elle a pris le démon, elle a écouté le son, elle était folle, c'est grave mort. Elle était dégoûtée, les gars. Mais bon, on s'en fout. Nous, on va pas tarder à le sortir ce son, la famille, restez bien branchés, il va être sur toutes les plateformes. Bon, les frères, aujourd'hui, on est venu s'acheter des chaussures. Parce que voilà, j'ai une dégaine. Starfall. T'as même pas honte. Qui m'a fait? Vas-y, dis ce que tu as fait. Dis ce que t'as fait. Non, je dis pas, voilà. Ok, c'est dans ma story, je m'en fous. Bon, du coup, là, on est dans le magasin, mais il y a trop de paires. J'arrive pas à trouver. Mais heureusement, la famille, j'ai pris les deux hommes de la situation. Y et TK. Bon, les frères, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle paire je pourrais mettre avec un jean? Un survêt, un short, une paire qui passe avec tout. Pourquoi tu parles de short? Ah, mais ça va. Je te l'ai rendu ton. Bon, vas-y, bref, t'inquiète pas. T'es casse. Du coup, ça y est, là, on a enfin pris la paire. Mais là, je leur ai donné au défi de me trouver
trois tenues avec cette paire-là. Et si ils y arrivent, la famille, je leur paye à manger. Inch'Allah, ils trouvent pas trois tenues. Sinon, Guizou, je vais devoir leur payer à manger. À moins. À moins ? Mais ce qu'ils savent pas, c'est que même s'ils me trouvent trois tenues pépites, je vais pas leur payer à manger. Bon, là, du coup, ils m'ont amené dans l'un des meilleurs magasins d'après eux. On va voir. C'est parti. Les frères. Ouais. Ah, la paire de Salomon. Franchement, la paire de Salomon, déjà, elle me donne envie. Les frères. Oh, je commence à m'inquiéter fort. Je vois que ça attrape des vêtements, je les ai jamais vus de ma vie. Vous commencez à m'inquiéter là. T'as vu le style? Là, je suis en mode streetwear oversize. Ouais. Ouais, mais toi déjà ça va, mais lui, wallah, il me fait vraiment peur, wallah. Ouais. Casse pas la tête. C'est casse. Il m'a ramené une tenue, les frères, il a pété les plans. Le t-shirt, on dirait le t-shirt de ma cousine Halima. Wallah, il me va pas. Le pantalon, on dirait, j'ai pris le pantalon de ma grand-mère quand elle est revenue de l'Hajj. Wesh. Wesh. La veste, frérot, on dirait la veste à Michael Jackson, les frères. Ah, il a fada. Heureusement que, voilà, je vais pas sortir comme ça. Moi, je sors pas comme ça, les frères, voilà. Bon, tout à l'heure, je ressemblais à un gars. Mais là, par Allah, que la tenue Y, on dirait, il va m'envoyer au charbon, les gars. Aujourd'hui, Y, il veut m'envoyer aller jobber. Soit je vais jobber, soit je vais aller charcler des gens, mais j'ai pas compris le DEL. Faut m'expliquer, voilà. Je te raccroche, tu l'as depuis le début. La vie de ma mère est de me prendre pour ton posoir parce que je vais te niquer la tête de ma mère. Voilà, tu vas me niquer mes stories de là. Déjà, tu filmes pendant que je filme. Arrête d'être mon sosie, j'en ai marre. Dégage. Dégage. Frérot, dis-moi. Bon, parlons sérieusement. Le frérot, il a fait la tête à Nasser derrière sa tête. En fait, je sais pas c'est quoi le pire entre ça et sa paire. Ah ouais, j'avais pas vu sa paire. C'est quoi? Ça, c'est une Mika, les paires de Guadeloupe. Milka, Milka, c'est quoi Milka? Mika, c'est comme des crocs, mais en Guadeloupe, Martinique, on met ça. Tu mets ça? Ou j'en connais, hein, tous les Guadeloupéens martiniquais, ils connaissent les Mika. Vas-y, c'est pas cher. Et ça s'achète où les Mika? Partout, même en France. Hein, partout, là, je suis martiniquais. T'es martiniquais? Ça, ou et tu mets des Mika, toi? Tu mets Milka? Par là, on dirait des Mikado. C'est comme si je dors sur toi. C'est-à-dire quand je dors soit sur le teco, soit la tête devant. Pourquoi tu dors ça sur le teco, soit la tête? Il y a Nasser sur mon crâne, je vais pas. Il faut respecter Nasser. Je vais pas dormir sur écraser Nasser toute la nuit. Je vais acheter un lit. Oh, tu peux arrêter de faire les mêmes stories que moi, s'il te plaît, Boubou. Boubou, tu peux aller arrêter, tu peux trouver autre part, quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Et on finit avec la story de Billy DZ dans le Nord. J'ai acheté une petite pull dans un magasin. Oh là, les gars, je sais pas combien ça passe, j'ai oublié son nom. Regardez. C'est pur. Allô, salam. Dan, c'est le frère Afara. T'as trop de secondes, t'achètes qu'est-ce que tu veux. Dans tout le magasin. Un, deux, trois. Allez. Vas-y. C'est pourquoi faire. Il prend le bonbon, il faut. Ah, mélange des choses là-bas. Fais tes bâtons, il reste 10. Il reste combien? Les jouets, tu peux les déjouer. Il reste combien de temps? Allez. Allez, attends, 20 secondes, vite, attends, 20 secondes. Vite, vite, cherche les bonbons et les choses et tout. Vite, c'est les chiffres. Il reste 10 secondes, Rina, prends ce que tu veux. Allez, 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 allez. C'est bon. C'est bon? Ça fait 32 secondes. Allez, c'est bon. On a gagné 2 secondes. Allez, c'est 2 secondes. Allez. T'es content? C'est bon? Oui. Allez. Allez. On voit la caisse. Allô, salam. Ouais, ça m'arrive souvent, ça. Ça m'énerve. Regardez la grosse, ma femme, qu'est-ce qu'elle a? Un bouteille rempli de pièces comme les trous. Regarde, j'arrive même pas à le porter. Tu peux porter Farah, c'est. Essaye. Regarde, la monnaie. Avec un bras. J'arrive pas. Sinon, tu le portes à 50 euros. Non, pas un, pas deux.
1, 2, 3. Non, 1. J'arrive pas. Attends, j'essaie, Mousse. Oh, j'arrive pas. C'est trop. Oh, là, qu'est-ce que c'est? Il y a combien de sésames? Ah, mais ça fait combien de temps que tu fais ça? Une pièce. J'habite à la Versailles. Ça fait 10 ans comme ça? Plus. Mais ça, il y a plus de 10 à l'équipe. Oh, là, regarde. Pour manger de kebab, j'ai des difficultés de digestion. T'as vu Morgane, la femme à Nasdas, elle compte jusqu'à 6. Ouais. Et toi, t'es moitié arabe, moitié français, tu sais pas. Bah, ah bah dis. Wahid, Zouj, Klata, Rabra, Hamsa, Ta, Sanachra. Tu veux dire vas-y, je connais rien. Wahid, Zouj, Klata, Rabra, Hamsa, Ta, Sbaat, Menya, Saoud, Ashra. C'est vrai qu'ils se ressemblent, qu'elles ressemblent à Crimo. Oh, ma femme et mon frère, petit cadeau. Mais il a fait même un cadeau à lui-même. Ça veut dire. J'étais jalouse que tu l'avais. On a pris le deux même. Je sais pas c'est quoi les gars, là on va regarder ça ensemble. Ah ma femme et mon frère, petit cadeau. Oh les gars, il y a ouvre-la, elle est trop belle. Il se plante. Elle est hyper belle par contre. Elle est incroyable. Merci beaucoup ma femme, il y a trop de monde, sinon je te fais un bisou. Arrêtez de toujours critiquer le Nord. Ouais, il fait froid là-bas, ça va. Il fait moins 0 degré, mais on est là, on n'est pas là, t'as capté. Mais vraiment, il fait beau aujourd'hui. Il y a plein qui critiquent le Nord. Ouais, il fait froid là-bas, tatata, je sais pas quoi. Il fait moins 0 degré, mais ça va. On est là, ça va, alhamdoulilah. Il est temps de boire une rose à la main. Apparaît une... Là, regardez les gars, il y a un petit... Le bus qu'elle a crasé. Non, il va mort. Là, regardez les gars, il y a un petit. Allô, salam. Allô, salam. Regarde, chaque question, t'as 5 euros. Cristiano. Messi. Ouais. Mia. Ouais. Pourquoi t'as regardé déjà ça? T'es bizarre toi. Tu l'as regardé dans le site encore? Comment ça t'as regardé? Je t'ai dit, il y a Mia la bête, il y a quelque chose. Pourquoi t'as dit Mia Khalifa? Mais c'est pas grave. Mais t'es cravé. Frérot, chaque question, t'as 5 euros. D'accord? Cristiano. Léon. Maya. 5 euros. Cristiano, Léo, non, moi je la connais pas. Moi, je te jure, je la connais pas. J'ai juste entendu le nom comme ça parce que tout le monde en parle dans les journaux, dans les trucs que je connais pas. Là. Donc voilà, c'était l'histoire des membres de la team Nasdas aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bien évidemment. Et pour ceux qui ne veulent pas écouter mon avis, bah, je l'ai mis en fin de vidéo exprès. Comme ça, vous appuyez sur stop si vous ne voulez pas écouter. Ça ne dure qu'une seconde pour appuyer sur stop, tout comme mettre un like. Et merci à ceux qui écoutent mon avis à la fin. Des fois, j'apporte des précisions, mon avis... Tout ça, et des petits conseils. Donc, concernant Rico, c'est bien qu'il se mette à faire le sport. Je pense qu'il ne faut pas l'accabler. C'est mieux un petit peu que rien. C'est mieux un petit peu que rien. Par contre, l'heure du sport, c'est 21h, c'est un peu tard. Parce que quand tu fais du sport, bah, tu as ton rythme du cœur qui s'accélère. Donc, moi, je dis, allez jusqu'à 20h, 19h maximum. Parce que tu as le rythme du cœur qui s'accélère et ton cœur, il continue à battre vite pendant des heures. Après le sport, pendant des heures, ton cœur, il continue. Donc, ça peut t'empêcher de dormir la nuit, voilà. Donc, à part si on est bien réglé, bien évidemment. Et concernant les pompes, il y a une petite astuce. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire les pompes,
faut les faire jambes écartées. Les jambes écartées, c'est plus facile. Après, quand tu y arrives, tu peux faire les jambes serrées. C'est plus difficile, les jambes serrées, bien évidemment. Et toujours la nutrition. Faire un petit effort de nutrition. Pas passer du tout rien non plus. Mais diminuer légèrement. Voilà, petit à petit, en faisant des petits efforts, ben, ça peut apporter des fruits. Des fruits. Le fruit des efforts, voilà, le fruit des efforts, bien évidemment. Donc, en tout cas, très fort, Lenny et Tourcoing, qu'ils ont perdu la voiture, ils cherchent partout. Mais je vous jure, ça m'est arrivé avec un pote, mais c'était en sortie de boîte à l'époque, on n'était pas, je te jure, on tournait comme des fous, on ne retrouvait plus la voiture où c'est qu'on l'a garée. Puis après, je me suis souvenu qu'on avait coupé par une petite ruelle. C'est heureusement. Et quand je me suis souvenu qu'on avait coupé par la petite ruelle, je me suis dirigé vers cette petite ruelle, mais je ne savais pas du tout. Du coup, j'ai dit, ben viens, il faut qu'on traverse cette ruelle. La voiture, elle est sûrement de l'autre côté. En fait, elle était de l'autre côté de la ruelle. C'était heureusement qu'on avait coupé par la petite ruelle, franchement, parce que sinon, on n'aurait jamais retrouvé la voiture. D'un côté, tant mieux, parce que ça nous aurait... Mon pote, il a eu un malaise, du coup, c'était moi qui a dû conduire pour revenir. Moi, j'étais moins, on va dire, bourré que mon pote. C'était comment il s'appelle ? Enfin, bref, ça m'a fait des souvenirs, ça. Hein, tu perds la voiture. Et surtout dans les villes où tu connais pas, tu vois. Des fois, ben justement, j'ai cette appréhension quand je suis dans une ville que je connais pas. Ben des fois, je prends en photo... le nom de la rue. Je prends photo dès que je passe devant le panneau de la rue. Ben, je prends photo le panneau de la rue où je prends. Voilà, voilà. Et Tourcoing sur l'autoroute qui vient juste à peine d'avoir le permis et qui tape l'autoroute. C'est pas le bon moment, je pense. Surtout après avoir fait 88 heures de conduite. Non, c'est pas 48 heures. Il a fait 68 heures, un truc comme ça de conduite. Ce qui est énorme. Moi, je dis, allez, pour quelqu'un de normal, on va dire, allez, 40 heures. 40 heures, entre 35 et 40 heures minimum, parce que maintenant, c'est devenu difficile, c'est fini l'époque. Allez, 20 heures, si tu as fait de la conduite accompagnée. Mais 20 heures, très très rares, sont ceux qui... Voilà, s'ils n'ont pas fait de sport automobile ou de... Parce que... Il y a des petits réflexes à avoir, voilà. Même si tu sais conduire, justement... Quand tu as conduit sans permis, bah, tu prends des mauvais réflexes, par exemple. Il y a des trucs, ça peut être dangereux, comme ne pas regarder les angles morts, par exemple. Donc moi, carrément, bah, je regardais carrément, je tournais la tête jusqu'à derrière, pour être sûr. Mais en fait, c'est juste l'angle mort, c'est juste, tu tournes la tête à 90 degrés. Donc, et concernant, je pense savoir qu'est-ce qu'il a eu comme problème Lenny sur l'autoroute. Voilà, qu'on voyait plus, parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait une assiette de piment, c'est une petite salade de piment, il me semble, si c'est ça, petite salade de piment et de concombre, tout ça, le piment, si t'es pas habitué, ne jamais en manger le soir, parce qu'après le lendemain, les chiottes, elles vont prendre un coup sévère, les chiottes, là. C'est vrai, ça fait très très mal au ventre quand tu manges le piment le soir, que t'es pas habitué. Quand je dis habitué, c'est en manger tous les jours, pour être habitué. Donc dans un premier temps, si vous n'êtes pas habitué au piment, faut manger que le midi. Parce que le midi, tu es réveillé, ton système digestif il fonctionne à 100%, il est à fond. Alors que la nuit, ton système digestif il fonctionne pas, et il y a un truc qu'il n'a pas l'habitude de digérer, tu vois. Une fois qu'il a l'habitude, oui, même en dormant, tu digères bien, tu n'as pas de problème. Mais si tu n'es pas habitué au piment, évitez la nuit. Petit conseil. Pour s'habituer, il faut 2 semaines. 2 semaines, on mangeait que le midi. Petit conseil, parce qu'il y en a, ils veulent se la jouer au Warriors. Ils n'ont pas l'habitude de la rissa, du piment, de la shlata meshouya, du hasban, de la mlochia, du... Ils n'ont pas l'habitude de tout ça, macaruna, tout ça. Ils veulent jouer leur warrior avec un pot d'harissa ou de meshouya. Ça va vous faire mal le soir. Voilà, petit conseil d'amis. Et
Quand, comment elle s'appelle? Quand Lauriana, elle a dit ben, je vais snapper, je vais faire plein de snaps à Barcarès, ben, ils ont pratiquement, elle a pratiquement pas snappé. C'est bizarre. Ben, pourtant, c'est payant l'entrée du village Noël Barcarès. Je sais plus combien c'est. Il me semble que c'est l'entrée la moins chère avec le moins d'options, c'est 20 euros, il me semble. Entre 15 et 30 euros, j'ai plus le. En plus, c'est immense. Si tu snaps chaque endroit, chaque décoration, tu fais une vidéo pour 40 heures, des heures de vidéo. C'est tellement grand. En fait, je m'étais amusé à explorer tout, à essayer d'explorer tout. En fait, je découvrais des endroits. C'est le plus grand village de Noël de France. C'est le plus beau village de Noël de France. Et il y a même le bateau, là, les Canailles, le Lydia Canailles. Le bateau à l'intérieur, rien que tu visites l'intérieur du bateau, tu as plein de produits qui sont en vente, tout ça. Il y a des petits jardins un peu cachés un peu partout, avec des animations, des lumières, des peluches, des décorations, tout ça. Voilà. Et Billy DZ qui est dans le nord, dans le froid. Mais moi, chaque fois que je suis allé dans le nord, j'ai toujours été bien accueilli. Je trouve qu'au nord, il fait froid, mais les gens, ils sont chaleureux quand même. Voilà. Il y a des gens chaleureux bien sûr partout, mais dans le nord, il y en a beaucoup, je trouve. Ouais, après, c'est sûr que c'est arrivé au carnaval de Dunkerque en plein mois de janvier. C'est sûr qu'il fait, il va faire froid, mais l'ambiance, elle est chaleureuse du carnaval de Dunkerque, par exemple. Et la Belgique et tout ça. Donc voilà, c'est tout pour les stories du jour. Nasdas, il n'a pas snappé hier ni aujourd'hui. Hier soir, il m'a semblé avoir vu deux stories où la femme à Nasdas est cantée en arabe jusqu'à 6 et où, comment il s'appelle, Issa, qu'il avait une bonbonne de gaz, une bouteille de gaz qu'il voulait vendre. Et il me semble qu'il y avait d'autres stories et après, bim, ça a été effacé. Non, à mon avis, c'est il y a un problème sur Snap des fois. Des fois, le Snap de NASA s'il bug, il y a tellement de visites, tout ça, tellement de vues, des millions de vues par jour. Des fois, ça ne me met pas toutes les stories quand j'enregistre. Des fois, il faut que j'attende une demi-heure après et je reappuie sur la story et là, ça me met les bouts de story, quoi. Donc, des fois, j'essaye de les réintégrer, des fois, ça ne me le met pas. Des fois, il y a quelques bouts de story, mais ça change pas grand-chose à toute la story, quoi. Des fois, il manque 10 secondes, quoi, d'une story, quoi. Mais ça change rien aux minutes, voilà. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'énième réseau social pour l'instant, pour ceux qui veulent, qui ont loupé la story, qui veulent la revisionner un autre jour, parce que ça se passe définitivement au bout de 24 heures sur Snap, pour ceux qui connaissent pas Snap, pour ceux qui se perdent sur YouTube et sur Google, pour ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, pour ceux qui regardent sur une télévision, sur grand écran, c'est possible avec l'application YouTube et la chaîne, ou sur Nintendo Switch. Donc,